Tous attristés par la mauvaise nouvelle de cette dame engagée dans le développement humanitaire et social de son pays, Adjadjéné Kaba-Kondé, l'ex-première dame de la République de Guinée, a tiré sa révérence ce samedi 8 avril 2023 dans un hôpital à Paris. Âgée de 63 ans et mère de 3 enfants, Djéné Kaba-Kondé a consacré sa vie à aider les plus vulnérables de la société guinéenne à travers sa fondation PROSMI. Depuis l'annonce de cette triste nouvelle, les proches, amis, collaborateurs et acteurs politiques guinéens présentent à tour de rôle les condoléances d'usage au domicile du président Alpha Condé à Mafanko. Adjama Kale Camara, présidente du parti FAN et ancienne ministre des Affaires étrangères du professeur Alpha Condé, retient de cette dame une femme humble, calme, sereine et humaine envers les femmes. Sentiment de tristesse, beaucoup de tristesse, mais l'homme ne peut rien devant la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Je suis venue en tant qu'ancienne ministre des Affaires étrangères du professeur Alpha Condé. J'ai dû collaborer avec son épouse, Adjadjéné Kaba-Kondé, une bonne personne, une femme humble, calme, sereine, qui aime tout le monde, qui aime la paix et qui est humaine. Elle s'est beaucoup occupée des enfants et des femmes dans ce pays. Alors quand elle décide, c'est un devoir pour moi de venir à la maison mortuaire pour présenter mes condoléances à sa famille éplorée. Je retiens que c'était une personne humble, que c'était une personne calme, que c'était une personne sereine, que c'était une personne humaine. Humaine envers les enfants, humaine envers les femmes et amicale aussi. Elle traitait tout le monde de la même manière. De bonnes relations, elle a un nom dans ma famille, on lui a donné un nom dans ma famille, donc on avait des relations fraternelles, n'est-ce pas? J'ai une de mes nièces qui porte son nom et elle a pris une délégation ici pour aller nous remercier en famille déjà. Donc on avait beaucoup de relations amicales. Mon dernier mot, c'est d'adresser mes condoléances à la famille éplorée de Kamara, au peuple de Guinée qui a perdu sa première dame, à son époux aussi, le professeur Alpha Condé, à toute la Guinée entière. Que Dieu lui réserve son paradis. Honorable Elage Babara Fofana, ancien député à l'Assemblée nationale, était aussi dans la famille mortuaire pour présenter ses condoléances. Pour lui, Adjadjéné Kaba-Kondé n'était pas une politicienne, mais une humaniste qui a aidé les femmes et les enfants. Extrêmement triste. Ce n'est pas une politicienne, c'est une humaniste. Elle était mariée à un président de la République. Mais son rôle, elle a voulu jouer le rôle de quelqu'un qui aide tous les malheureux, toutes les femmes qui n'ont pas les moyens, toutes les sociétés qui n'ont pas les possibilités. Elle s'apprêtait à aider ces gens-là. Nous n'avons jamais vu une femme aussi décidée, aussi engagée, pour faire valoir une situation comme Djéné. Moi, je ne la connais pas très bien. Je vous dis que mon rapport, c'est avec le président Alpha Condé. Elle, on la voyait assez rarement. On allait la voir de temps en temps, quand elle doit recevoir, par exemple, des affaires sociales, des groupes sociaux. On allait avec ces gens-là pour l'écouter. On a toujours eu beaucoup de respect pour elle et beaucoup d'admiration pour elle. Mon dernier mot, que Dieu lui donne le paradis. Nous disons que vous verrez que toutes les femmes de la Guinée vont parler d'elle. Parce qu'elle a été la fierté des femmes en Guinée. Ce qu'elle a fait est extraordinaire. Nous souhaitons qu'elle aille au paradis. C'est ce qu'on prie de Dieu. Je pense que Dieu va le constater jusqu'à son enterrement. Nous allons demander à tous nos responsables et à tous nos militants qui se trouvent à Cancan que le jour de son enterrement, ils doivent être là, au cimetière. Il faut qu'ils soient tous là-bas pour prier que notre femme, la femme la soit au paradis. Béatrice Dopige du Pontou est une proche de la famille. Pour elle, Adjadjéné Kaba-Kondé était une merveille pour la Guinée. Un grand sentiment de tristesse.
cette nouvelle nous a vraiment agressés. Parce que cette dame était une merveille pour la Guinée. Nous avons eu des premières dames, certes, mais voilà une femme qui avait le cœur sur la main. Une femme qui aimait tout le monde, une femme qui était très douce, très calme. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je puisse qualifier. Les mots me manquent pour la qualifier. La nature de nos relations, je peux dire que c'est ma maman, parce que le professeur Alpha Condé était un père pour moi. Il a étudié au séminaire avec mon père. Pendant 6 ans, ils ont partagé le même dortoir. Donc le professeur Alcondé, il me prenait comme sa fille. Il m'a toujours appelé ma fille chérie. Donc si son épouse décède, c'est que c'est une maman. Je la considérais comme une maman. Qu'est-ce que vous retenez? Une femme humble, une femme sage, une femme très pieuse, une femme très douce, très attentive. Les mots me manquent pour qualifier cette femme. J'ai le cœur meurtri lorsque je veux parler de cette femme, parce que les mots me manquent. Et je prie pour le repos de son âme, que son âme repose en paix, que Dieu donne la consolation à sa famille, à toute sa famille, à son époux, à ses enfants, à sa maman et à toutes les personnes qui l'ont aimé. Parce que c'est un moment très, très dur.